Hey, salut tout le monde, c'est Superflo. Comment vous allez? Moi, ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour une petite vidéo. En fait, tout va se passer derrière moi. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fout dans le bâtiment? Pour les personnes qui ont été trop connues ou pas. Donc, ça y est, j'ai mon QG. Donc, depuis la mise à jour est sortie, je l'avais pas encore. J'ai dépensé tout ma thune pour l'avoir. Vous avez vu, il me reste plus beaucoup de thunes. Donc, du coup, ça y est, j'ai mon QG qui est juste ici. Je vais vous montrer un peu sur la map. Il se place juste ici, donc tout simplement c'est celui-là que j'ai acheté. Il n'est pas tout à fait fini en fait. Je l'ai acheté, mais j'ai pas encore l'armurerie ni l'armurerie que j'ai pas utilisé. Attends, on va aller voir. Allez, hop, on va sortir le téléphone. On va aller voir qu'est-ce qui me manque. Que je dis pas de bêtises en fait, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Les trucs que j'ai pas dans le bâtiment, donc c'est celui-là. Donc ça doit être la MacBank. Non mais bon, c'est parce que si c'est en vert. Mice Bank, c'est celui-là. Donc voilà, j'ai pas l'armurerie, j'ai pas le coffre et j'ai pas le logement. Logement, je l'ai pas. Donc secrétaire, c'est une femme qu'on vous a pu voir, voilà. Donc voilà, Team Superflo, madame qui est juste ici. Donc c'est trop, c'est bien en fait, on peut gérer les véhicules, les encas et tout. Je vais vider un peu pour les personnes qui connaissent pas. Du tout les bâtiments qu'ils n'ont pas encore les moyens de faire GTA et voilà, donc ici ça doit être la chambre, je sais pas, donc voilà c'est fermé parce que j'ai pas tous les moyens pour l'avoir. Voilà des petites décorations, hop, ici on a un coin canapé, salon et tout, c'est vraiment assez cool. Ici coin cuisine, on peut prendre un jus et tout. Ici c'est coin informatique, donc je sais pas si on peut aller sur les ordinateurs, mais je pense que oui. Ici c'est coin genre on va dire salle de réunion et tout, c'est vraiment assez cool avec la map. C'est dommage qu'on va pas sortir une arme pour voir, donc voilà la map et tout de Los Santos que vous avez tous connu, reconnu plutôt. Donc voilà la map, c'est vraiment bien fait, je trouve ça vraiment cool en mode un peu 3D. Ici on va passer dans la salle et j'aurai un truc à vous montrer sur avec le canapé, donc vous allez voir. Il y a un truc qui est vraiment assez cool, je sais pas si ça le fait dans les autres appartements quand vous regardez la télé ou pas. Juste vite fait vous regardez la télé, vous montrez quelque chose. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Dites-moi dans le commentaire si ça. Est-ce qu'on l'avait déjà ou pas? Alors déjà je pense. Ah voilà, allumer la télé, ça sera plus facile. Donc voilà, là on peut voir les films comme d'habitude. Il y a les caméras qui a pas changé. Voilà, je vais vous montrer juste quelque chose, voilà une petite voiture qui est devant. Hop, c'est une nouvelle voiture que j'ai acheté aussi. Là, on a les toits, bref. Et je vais vous montrer quelque chose. On peut suivre quand il y a une personne qui est recherchée, en fait, grâce à la police, les informations et tout. Vous allez voir, c'est assez fun. Je sais pas si là, ça va le faire ou pas. Attendez. Donc là, voilà, on peut voir les activités qui sont en cours. Vous avez vu, on peut voir les activités qui sont en cours sur GTA. C'est vraiment assez cool. Donc voilà, une petite activité que les gens sont en train de jouer. Je sais pas si on peut aller... Ouais, on peut aller voir tout. Donc ça c'est des activités que les gens je pense qu'ils jouent tous. Après, donc je sais pas si on l'avait ou pas avant. Et en principe, je suis tombé dessus. On peut voir une course-poursuite avec les flics quand il y a une personne qui est recherchée, qui a beaucoup d'étoiles. Il y a les hélicoptères, les flics et tout. On peut le voir. Donc je voulais juste vous montrer ça. Voilà, comme là. Alerte, info, voilà, c'est vraiment assez cool. De voir ça, voilà, on peut suivre voilà la personne qui est vraiment recherchée par c'est un criminel, dangereux criminel, donc voilà il est recherché, poursuivi par la police. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment assez cool. C'est pas le but de cette vidéo, mais je sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez déjà vu, est-ce qu'on l'avait avant dans les appartements ou pas. Donc voilà, on va sortir de la télé, on va plus regarder la télé. C'est juste pour savoir est-ce que vous connaissez ou pas. Est-ce que c'est une nouveauté ou pas. Donc là il va vouloir se lever, s'il te plaît. Lève-toi. Merci bien. Hop, ici on a fait le petit tour, on arrive. Ici on n'a pas été voir. Il y a une porte, mais je sais pas si on peut rentrer ou pas à la base. Voilà, décoration. Bref, ici on a un autre coin, bah, porte, mais on peut pas l'acheter pour l'instant. Ici voilà, c'est pour prendre l'apéro, du gin, du whisky et tout. Ici c'est coin. Alors, Bliblo, le bureau du patron, qui est vraiment assez cool. Ici on a une magnifique vue sur en bas l'immeuble en fait, voilà on a une vue et on va faire un petit tour sur le bureau qui est vraiment assez fun quand même. Donc je voulais faire une vidéo pour vous présenter un peu mon QG, je l'ai pas fait et
Je suis en render sur tout le monde, mais c'est pas grave, voilà une petite vidéo dessus, ça vous fera plaisir quand même. Donc on va aller sur le PC, c'est super bien fait parce qu'il rentre le mot de passe et l'utilisateur. Et voilà, en fait, bah, après sur le PC, pour les personnes qui connaissent pas, on peut acheter tous les bâtiments, donc on a tout, petit, moyen, grand. Après voilà, mais le souci c'est que, je sais pas si c'est à quoi, d'accord, ça peut zoomer et dézoomer, on peut faire naturellement avec RT et LT, logique, voilà comme je fais. En fait on a tous les bâtiments, tous les entrepôts qu'on peut acheter, l'entrepôt, donc voilà c'est un peu cher quand même, j'ai pas assez les moyens, je crois pas, attendez, je sais même pas regarder comment j'ai, vraiment pas acheter celui-là, je crois pas, j'ai pas assez. Non, j'ai pas assez. Donc voilà. Mais voilà, on peut acheter des entrepôts et tout. C'est vraiment assez cool. On peut faire un nouveau truc aussi. Donc je vais vous montrer vite fait pour les personnes qui connaissent pas. Et j'ai envie de vous, voilà, vous en faire profiter. Hop, on peut s'asseoir et on peut changer de position quand on s'assoit. C'est vraiment assez cool. Donc c'est dommage qu'on peut pas s'appuyer comme ça sur les voitures. Donc voilà, on peut changer position. Donc voilà, la personne qui est comme ça, j'ai entendu à l'aise. Genre voilà, hop, on s'assoit comme ça, voilà, il n'y a pas beaucoup de positions, mais c'est assez cool. Donc jambes croisées, pliées, et sinon comme ça, moi j'adore vraiment, comme ça fait genre le mec, oh je m'en fous, allez moi je l'ai. Voilà, c'était juste pour vous montrer juste ça, c'était vraiment assez cool. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce genre, comment participer quand on récupère avec... on vole des objets ou des trucs comme ça. Pourquoi pas, je pourrais faire des vidéos comme ça. Dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous avez un QG ou aussi comment il est. Vous pouvez m'envoyer des photos bien sûr sur Snapchat ou sur Instagram. Vous m'envoyez les photos de votre QG pour voir s'il est mieux que moi, si la décoration, si vous avez le même bâtiment que moi, si vous avez un autre bâtiment. Si vous avez tout dans le bâtiment, tout le logement, l'armurerie et le coffre. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner. Et moi je vous dis à très vite. Ciao, bye bye et peace tout le monde. Salut!